بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bon courage, bonne concentration, bonne méditation, bonne analyse, bonne remise en cause, bonne élévation, bon sens des responsabilités, bon engagement, bon désir d'excellence. Bon, ce que vous voulez, mes frères et sœurs, partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Les Maghrébines et les Blacks. Les Maghrébines et les Noirs. Les Maghrébines, les Beurettes aussi, et les Blacks. Je vois, subhanallah, se développer cette tendance détestable, mesquine, basse, minable, où je vois des frères et des sœurs créer des pages complètes ou des événements complets sur Internet, partout, je vois des comptes YouTube aussi, pour mettre les photos de ces beurettes, qu'ils appellent beurettes, de ces maghrébines, qui sont avec des noirs. Et tu te dis, pourquoi, subhanallah, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas parlé de la fornication déjà? C'est le côté mal qui n'est pas bien. Le côté haram, le côté sexe haram, ou l'iyadu billah. Pourquoi mettre la photo d'un noir avec, d'un black avec? C'est quoi la raison? La raison, c'est quoi? C'est montrer, malheureusement, votre racisme sans fin. Votre racisme sans fin. Votre xénophobie sans fin. Est-ce digne du musulman et de l'islam? Donc, un, quand vous le faites, quand vous l'orientez comme ça, ça montre malheureusement le niveau de l'âme qui fait ça. Un. Deux, qui vous a dit que la photo que vous mettez, donc souvent il met des photos malheureuses d'une femme nue, avec un string, ou avec un short, ou avec, sur des positions très malheureuses, très haram, qui te dit, dans la vérification que tu as fait, qui te dit que cette photo n'a pas été faite entre une femme et son mari? Yallah. Est-ce que cette photo n'a pas été faite, la femme l'a fait toute seule, par exemple? Vous allez me dire, oui, mais Mustapha, il y a aussi des photos. Mais moi, juste, je pose la question. Un, deux. Donc, cette photo peut être volée sur un portable volé. Toi-même, avec ta future épouse ou avec ton épouse, tu as pris peut-être une photo. Je le déconseille vivement. De ton épouse, dans ta chambre. Tu l'as pris en photo, il était en slip. Et ton portable a été volé. Ou un membre de ta famille ou un ami à toi a récupéré la photo, par exemple. Trois, qui te donne le droit de mettre la photo de quelqu'un qui a forniqué ou de quelqu'un qui a fait le mal? Qui te donne le droit de mettre la photo? Alors que l'une des bases chez les musulmans, c'est Satr, de couvrir ton frère ou ta sœur. Qui te dit que cette sœur-là ne s'est pas déjà repentie à l'islam et qui n'est pas revenue à l'islam et qui ne pleure pas tous les jours? Imagine à chaque fois qu'elle se connecte, elle voit sa photo et ça lui rappelle son passé. Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est halal de faire ça? Billahi alayk, si tu as 20, 25 ans, je vais te parler terre à terre. Je vais te parler terre à terre. Ça va te faire un peu mal. Si tu as 20, 25 ans, billahi alayk, yari, ne te dis-tu pas que ta maman, c'est la quarantaine de ton papa, parce qu'on oublie le père ici. On oublie le fornicateur aussi. Peut-être. Peut-être. C'est la génération de la fornication à gogo. Je me rappelle quand j'étais étudiant, Wallah, on n'arrivait pas à trouver un frère ou une soeur qui ne fornique pas. C'était vraiment peu, très peu, ou presque inexistant. Le commun des mortels
étaient des gens qui forniquaient à droite et à gauche, hommes et femmes, et qui ont aujourd'hui la quarantaine au plus ou moins, et qui se sont peut-être repentis, qui ont fait leur enfant. Si on rappelle à chacun les péchés qu'il a fait, et si on affiche chacun avec les péchés qu'il a fait, mais on écrit. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Kullu ummati mu'afa illa qui? Mujahirun. Toute ma umma est en bien, sauf qui? Sauf le mujahirun, ceux qui affichent les péchés, qui affichent le mal. Toute la umma, quand tu as fait un péché entre toi et toi, veux-tu que Allah subhanahu wa ta'ala le montre? Si chaque péché que tu fais, le matin, écrit ici, Allah écrit ici, pêcheur, il a forniqué toute la nuit, il a vu la pornographie, il a fumé, il a insulté, il a dénigré, il a fait toutes les choses mauvaises. Imagine. Billahi alayk. Imagine. Est-ce que tu veux cette femme-là qui va grandir et qui va se repentir et qui va avoir des enfants? Est-ce que tu veux que ces enfants, elles, voient leur maman nue sur Internet et massacrée par des mots en plus? Ils mettent des mots, des gros mots. Est-ce que ça, c'est halal? Sache que à chaque fois que tu postes cette photo, tu récupères des milliards et des milliards et des milliards de sayyat. Et que tu détruis ton compte en sayyat. Et tu détruis ton cœur. Ne remarque pas. Est-ce que tu n'as pas remarqué que tu es très négligent au niveau de tes prières? Ou tu ne les fais même pas? Que tu n'as aucun lien avec Allah subhanahu wa ta'ala? Que tu n'as aucune relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Que ton cœur n'aime pas les mosquées, que ton cœur n'aime pas le Coran, il n'a jamais voulu entendre ou apprendre ou étudier le Coran, que ton cœur aime que le mal, tu ne l'as jamais remarqué. Mais sache aussi que ce type de péché peut en être la cause. Maintenant, qu'est-ce que vous avez, vous, ceux qui se prennent pour des maghrébins, des beurs, si vous appelez vos sœurs beurettes, qu'est-ce que vous avez contre les noirs? Est-ce que ça, c'est votre religion? Est-ce que le Facebook est ouvert? C'est-à-dire tout le monde voit ce que vous faites. Ceux, les non-musulmans, qui vous voient racistes à ce point, xénophobes à ce point, ce qui vous fait mal, c'est pas que votre sœur a couché à droite et à gauche. Ce qui vous fait mal, c'est qu'elle a couché avec un noir. C'est le summum du summum du summum de la bassesse humaine quand vous arrivez à ce niveau. Si au moins c'était votre ghayra, votre jalousie pour vos sœurs musulmanes. Oh, très bien, une jalousie pour les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala contre la fornication, contre la débauche. Et même si vous avez la jalousie, votre jalousie islamique ne s'exprime pas comme ça. Ne s'exprime pas en spécifiant une personne, en mettant la photo d'une personne. C'est strictement haram. Bilal et Abu Dhar al-Ghifari était dans une assise où il y avait Khalid ibn Walid, où Khalid ibn Walid avait demandé l'avis de chacun. Et à un moment donné, Bilal a donné son avis, et Abu Dhar n'était pas d'accord. Et il lui dit, qui es-tu toi pour répondre? Et il lui dit, Ibn Sauda, fils de noir. Il a insulté sa mère. Il l'a insulté parce que Bilal, comme vous savez, est d'origine éthiopienne. Bilal part voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui raconte l'histoire. Il lui raconte ce qui s'est passé entre lui et Abu Dhar al-Ghifari. Et Muhammad, quand Abu Dhar se déplace voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était coléreux, il n'était pas content. Et il lui dit, innaka mru'un fika jahiliya. Innaka mru'un fika jahiliya. Tu es un homme dans lequel il y a une jahiliya, qui a encore la jahiliya, l'ancienne jahiliya, le racisme, la xénophobie, le fait de prendre les gens d'en haut, de voir les gens par rapport à la race, par rapport à la couleur. Et Abu Dhar, imaginez ce qu'il a fait, il est parti, il a posé sa joue par terre, et il a demandé à Bilal de mettre son pied sur sa joue. Il a regretté ça toute sa vie. Il a dit qu'il aurait bien aimé ne pas naître, ne pas exister. Et pour ne pas vivre ce qu'il a vécu suite à ce qu'il a fait avec Bilal. Élevez votre niveau. Élevez votre niveau. Et mes sœurs et mes frères, la fornication est haram pour les deux. La fornication est haram pour les deux. Et celui qui crée ce type de page, ou ce type de site, ou ce type de compte, il doit faire le repentir parce que le pauvre, il assume toutes les bêtises.
Il assume toutes les séyyiat. Il assume toutes les attaques. Il assume tout le mal qui découle de sa page. Imaginez le pauvre. Il pourra mourir. Imaginez, il pourra mourir. Il continuera à recevoir les mauvais actes et la mauvaise récompense de ce qu'il a fait. Repentez. Faites votre repentir sincère. Faites votre repentance sincère. Et craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et arrêtez. La fornication est strictement haram pour l'homme et pour la femme. Monsieur l'homme, comment tu peux remplacer le Firdaus? Une partie de Firdaus, un endroit de Firdaus, ne veut pas être égalé de toute la terre et du ciel. Comment tu peux remplacer ça pour un sexe féminin? Comment tu peux donner ça? Comment tu peux sacrifier ça pour une relation sexuelle qui dure quelques minutes? Et toi, la femme, comment tu peux sacrifier la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala? Hein? Comment tu peux sacrifier le paradis, le firdaus d'Allah subhanahu wa ta'ala pour une relation mauvaise, haram, que, où tu sais qu'elle ne crée que des problèmes et que des malheurs et que des dépressions et du suicide et de l'avortement et de l'instabilité et de tous les maux? Craignez Allah subhanahu wa ta'ala et arrêtez. Revenez vraiment, élevez le niveau. Wallahi, élevez le niveau. Safi, élevez le niveau. Que chacun de vous s'élève, travaille sur lui-même. Laissez les gens tranquilles. Arrêtez, s'il vous plaît. Conseille, naam. Fais des rappels, conseille, écris. Voilà où tu excelles et lance-toi, inshallah, déploie-toi. Mais arrêtez. Billahi alaykoum, arrêtez. Et dis-toi, celui qui poste ce type de photos, que un de tes frères peut voir ça et ça peut être une fitna pour lui. Parfois, tu vois le mal, juste ton œil. Vois, sans que tu le veuilles. Comme ça, tu sens ton cœur malade. Tu sens ton cœur pleurer pour ça. Donc, tu peux être une fitna. Tu peux toi-même détourner malheureusement des jeunes qui voient ce type d'image, qui ne cherchaient pas à les avoir et qui ne voulaient pas les voir. Et tu viens avec ces images-là détruire d'autres, subhanallah. Alors tu pensais faire le bien et tu ne fais pas le bien. Tu fais plaisir à ton orgueil, tu fais plaisir à ta haine du noir, tu fais plaisir à ta détestation de celui qui est différent de toi, tu fais plaisir à ton racisme. Wala hawla wala quwwata illa billah. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala et élevons le niveau parce que wallahi, on est vraiment dans le fond. Pas tous, mais une partie de nos jeunes. Et on a creusé même le fond pour descendre encore plus bas. Ça a fait. Shaitan nous a laissé tranquille, je pense, parce qu'il a vu qu'on a dépassé toutes les limites. Donc revenons à Allah subhanahu wa ta'ala et rectifie-toi. Concentre-toi sur toi et rectifie-toi. Et ne fais pas aux autres ce qu'on risque de faire pour toi. Parce qu'un jour, tu pourras trouver ta propre fille sur Internet. Et tu pourras trouver ta propre mère sur Internet. Et tu pourras trouver ta propre sœur sur Internet. Tu feras quoi à ce moment-là? Avec un noir, avec ce que tu veux. Avec un rouge, avec un bleu, avec un blanc, avec un petit, avec un grand, dans le haram. C'est la fornication qu'on doit attaquer. Laissons les gens tranquilles. C'est la fornication qu'on doit attaquer. Et on doit former les jeunes. On doit informer les jeunes. On doit apporter aux jeunes nos connaissances, nos expériences, en leur disant que c'est un chemin de déviation. Allah dit « La taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. » Ne vous approchez pas de la fornication. Il n'a pas dit « Ne forniquez pas », il a dit « Ne vous approchez même pas de la fornication. » Innahu kana fahishatan, c'est une turpitude. « Wa sa'a sabila, et quel mauvais chemin. » Rappel pour les sœurs, regarde.